de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui donc sur une vidéo incroyable, une vidéo qui peut, attention je vous préviens, vous glacer un petit peu le sang et vous choquer pour certains d'entre vous qui sont les plus sensibles. Mais vous allez voir qu'en fait il ne faut pas être choqué, en fait c'est quelque chose qui est inéluctable. Aujourd'hui nous allons parler de qu'est-ce qui se passe au moment de la mort. Et également je vous présenterai un témoignage d'un grand évangéliste que vraiment je trouve qu'il fait vraiment du très bon travail pour le Seigneur, qui est, il habite donc sur l'île, il travaille beaucoup sur l'île. Il s'agit donc de Samuel, je sais qu'il fait du bon travail pour le Seigneur. Et donc il va rendre son témoignage comme quoi il a vraiment vu l'enfer lors d'une tentative de suicide. C'est quand même assez incroyable. Mais tout de suite, vous allez voir en début de vidéo une personne qui, au moment de rendre son âme, va tout simplement avoir l'ouverture de ses yeux spirituels et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans l'au-delà. Donc c'est assez incroyable, vous allez voir. Et donc je vous laisse regarder ce petit extrait et je vous laisse regarder, écouter également le témoignage de Samuel. Et on se retrouve donc juste après cette vidéo. Voilà, je te préviens, cette vidéo, elle glace le sang. Donc voici cette femme qui est sur le point de mourir en fait. Et là, il se passe quelque chose, donc elle voit dans l'invisible. Il faut savoir que les personnes, juste avant leur mort, deviennent conscientes des choses qui sont invisibles. Et cette femme-là est en train de voir une entité qui n'a pas l'air positif. Voilà, et elle a le regard effrayé, et voici que maintenant, là, elle rend l'âme. Voilà, donc ça y est, elle est partie. Son corps, son esprit est sorti de son corps. Et alors, je voudrais juste vous dire que c'est juste une réalité. Nous sommes un esprit qui a une âme qui est dans un corps. Et quand le corps meurt, c'est comme une enveloppe. Donc la lettre est toujours là, bel et bien écrite, mais la lettre, voilà, on peut l'acheter à la poubelle. Et souvent, nos esprits s'éveillent comme ça au monde spirituel. C'est une réalité, c'est comme ça. Le grand-père de mon épouse est parti avec une paix. Il a vu quelque chose et un sourire est venu sur son visage. C'est l'opposé de cette femme, hein. Cette pauvre femme n'est pas partie du bon côté. En tout cas, ça donne l'impression. Je connais le témoignage d'une personne qui, c'était un couple, hein, ils étaient athées tous les deux, athées, donc ils ne croyaient pas en Dieu. Mais lorsque cette femme est partie, ses yeux spirituels se sont ouverts et elle a dit « Chérie, l'enfer existe et j'y vais droit dedans. » Et elle a rendu son dernier souffle. Donc c'est terrible, et c'est pourtant une réalité. La réalité est que l'enfer et le paradis existent. Qu'est-ce que c'est le paradis? Donc le paradis, c'est tout simplement d'être dans la présence de Dieu, d'être dans la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est la gloire? C'est sa présence palpable. Et dans la présence de Dieu, il y a la lumière, il y a la vérité, il y a la vie. Et en enfer, c'est d'être loin de sa présence, d'être loin de la bonté, loin de la grâce, loin de son amour, un endroit terrible où il y a des grincements dedans, où il y a des regrets terribles. Voilà, donc je veux pas vous faire peur, je sais très bien que ça glace le sang et c'est pas un message de peur que je veux vous donner, mais juste vous mettre face à une réalité. Peut-être vous y croyez, peut-être vous y croyez pas. La réalité est telle que c'est comme ça. Et moi-même, voilà, je m'appelle Samuel et j'ai vécu une expérience il y a 10 ans. J'ai voulu mettre fin à mes jours, j'ai voulu me suicider et je suis resté en vie.
Et j'ai fait cette rencontre avec Dieu, une rencontre majestueuse, une rencontre bouleversante. C'était la rencontre avec Jésus. Et Jésus m'a dit, je t'aime. Et vous voyez, ça a transpercé mon cœur. Transpercé mon cœur. Je pleurais comme un bébé dans la présence de Dieu. C'était formidable. Et vous savez, j'ai vu l'enfer. J'ai vu l'enfer et il y a comme un trou qui s'est dessiné derrière moi. Il y a le bruit des voitures, je suis sur un parking. Il y a un trou qui s'est fait derrière moi et il y a comme comme une nuée ardente. Vous savez, comme quand un volcan, là, il pète, le pic de Dante. Et j'ai vu cette nuée ardente qui est montée, une fumée épaisse, tellement épaisse. Et j'ai vu dans ce trou et je me suis retrouvé dedans soudain. Et je voyais des milliers, peut-être des millions, peut-être même des milliards de personnes. C'était incroyable. Qui étaient comme dans un lac, mais c'était un lac avec de l'eau. C'était comme noir, mais plus noir que le noir que je connais sur cette terre. Et il y avait du feu. Mais vous voyez, c'était pas comme le feu qu'on a nous dans le monde naturel. C'était un feu noir et un feu bleu qui était à l'intérieur de chaque personne. Et c'était comme des brûlures ardentes, c'était terrible. Et je voyais ces personnes qui n'avaient plus de chair, enfin qui n'avaient plus de peau, c'était comme des amas de chair. Et ils souffraient tellement qu'ils essayaient de se grimper les uns sur les autres pour sortir de ce lac en fait. Donc voilà, c'est vraiment terrible. Je suis désolé de vous raconter ça, de vous effrayer peut-être, en tout cas c'est pas le but. Et j'ai vu ça et ça m'a bouleversé, ça a bouleversé ma vie. Et depuis, aujourd'hui, je suis un gagneur d'âme. Je témoigne de ma foi en Dieu parce que mon but, c'est de vous gagner, en fait. Peu importe ma réputation, je sais qu'il y en a qui rient, je sais qu'il y en a qui se moquent, mais je considère que votre vie a plus de valeur que ma réputation. Et je vais vous donner ce message que la vie éternelle, on peut la trouver dès aujourd'hui. Il y en a qui partent de ce monde sans savoir où ils vont, s'ils vont en enfer ou au paradis. Mais vous pouvez savoir dès aujourd'hui parce qu'il y a une porte qui est ouverte pour toi, pour moi. Cette porte-là, elle s'appelle pas Allah, elle s'appelle pas Bouddha, elle s'appelle pas Mahomet, elle s'appelle pas Sainte Rita, elle s'appelle pas Marie. Cette porte, elle s'appelle Jésus-Christ. J'ai envie de dire Amen, j'ai envie de dire Amen pour ce magnifique témoignage, cette porte ouverte qui est donc le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit bien qu'il n'y a qu'un seul nom que Dieu a donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le plan parfait de Dieu qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, donc dans la Torah. Et aujourd'hui, le diable a semé, lui, de son côté, d'autres religions, des mouvements, des fausses doctrines qui sont tout simplement corrompues et qui, lorsque l'on connaît et qu'on maîtrise bien la Bible, qui est la parole de Dieu, et tout simplement l'inverse de ce que Dieu demande, de sa volonté. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne et peut faire périr une âme. Nous devons avoir cette connaissance en lisant la parole de Dieu, en se formant auprès de frères qui ont déjà l'expérience dans la parole. C'est très très important et nous devons faire attention parce qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus l'a dit, il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de personnes qui se disent hommes de Dieu, mais qui ne sont tout simplement que des instruments, des ustensiles du diable pour semer la zizanie, le trouble dans les pensées des gens, mais aussi pour les emmener dans des faux mouvements. Il faut faire vraiment très très attention. À partir du moment où vous voyez des gens qui font l'inverse de ce qui est écrit dans la Bible, il n'y a pas à chercher midi à 14h, vous savez que ce n'est pas de Dieu. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Sa parole n'a jamais changé, Jésus l'a dit, ma parole ne passera jamais, elle restera. Et à partir du moment où quelqu'un vous dit de faire l'inverse de ce qui est écrit, ou qu'il arrange à sa sauce, vous ne pouvez plus dire que cet homme sert le Seigneur, parce que cet homme est déjà en train de se corrompre en fait spirituellement. Donc c'est pour ça que nous devons lire la parole de Dieu, c'est très très important, et c'est pour ça que je vous enseigne toujours, comme j'ai dit depuis ma confession de foi, il y a de ça déjà presque 4 ans, j'ai toujours dit, je ne m'éloignerai jamais de ce qui est écrit dans la Bible, je ne m'arrangerai jamais avec un texte, parce que je sais que je me mettrai à défaut avec le Seigneur. Donc dans ces témoignages, on a entendu vraiment des choses incroyables. Et je vais pouvoir aussi vous témoigner de quelque chose de stupéfiant que j'ai vécu lors du décès de mon grand-père. En fait, mes enfants étaient très petits, ils avaient donc 2 ans et 3 ans. Et quand mon grand-père est décédé, ils étaient tous les deux assis dans l'escalier et ils regardaient le coin du plafond en souriant. Donc je ne comprenais pas pourquoi ils souriaient.
Mais en fait, on a attendu un petit peu, on leur a posé la question et on leur a dit, ben, pourquoi tu souris? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Il dit, c'est papy qui est là-bas. Et c'était vraiment à cet âge-là, à 2 ans et 3 ans, on ne peut pas dire qu'un enfant mente ou quelque chose comme ça, c'est complètement impossible. Donc c'est vraiment des choses qui doivent se passer. La parole de Dieu n'en parle pas réellement. Par contre, la Bible nous dit bien qu'il y a des choses qui sont écrites et que l'on sait. La Bible nous dit que après la mort vient le jugement. Donc il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas rien du tout. Il y a un jugement qui va se faire lors du tribunal de Christ, lorsque Dieu va ressusciter les morts. Donc ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont morts sans Christ. Hein, et ceux qui sont morts sans Christ vont passer devant le tribunal de Dieu pour être jugés. Donc à partir de là, on sait qu'il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de seconde chance. Après, ce sera suivant le jugement de Dieu et suivant sa volonté qu'il y aura une condamnation ou pas. Donc il faut déjà bien comprendre cette chose-là. Et nous avons également dans la parole de Dieu d'innombrables passages qui nous parlent de l'enfer, hein, qui nous parlent de ce lieu de tourment comme étant donc le lac de feu éternel, la géhenne, le séjour des morts. Donc je ne vais pas y revenir parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne, donc vous pourrez justement aller les voir. Mais on a bien sûr ce passage qui est complètement clair, net et précis, qui nous parle bien sûr de l'homme riche et du pauvre Lazare. On voit cet homme riche qui a fait voilà de mauvaises choses toute sa vie, qui se retrouve après sa mort dans un endroit de souffrance incroyable, où il supplie même d'aller demander pour aller tout simplement avertir ses frères pour pas qu'il ne se retrouve lui-même. Donc souvent j'ai tendance à dire qu'après la mort c'est la douche froide pour ceux qui n'ont pas leur vie en règle avec le Seigneur, pour ceux qui n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ. C'est vraiment la douche froide parce que on a aussi beaucoup de témoignages de Amy, des personnes qui sont décédées, qui sont revenues à la vie, qui témoignent que ben, deux démons sont venus les chercher ou deux anges sont venus les ramener au ciel. Donc on a des témoignages incroyables. Et je pense que tout ça est permis par le Seigneur pour justement ouvrir un petit peu les yeux des gens qui sont dans l'incrédulité la plus totale aujourd'hui. N'oublions pas que Dieu est amour et la Bible nous dit bien que le Seigneur ne veut qu'aucun périsse, mais malheureusement les gens choisissent d'eux-mêmes leur propre condamnation en ne croyant pas, en ne mettant pas leur vie en règle. Donc c'est quand même vraiment malheureux. Donc en tout cas, on voit bien aussi ce frère qui passe beaucoup de temps dans l'évangélisation, je ne vois pas l'intérêt qu'il aurait à mentir, qui témoigne quand même de façon incroyable de cette horreur qu'il a pu vivre lorsqu'il a voulu se suicider. Et justement, il a eu cette chance que le Seigneur lui fasse grâce, cette chance incroyable. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ, et ça c'est quelque chose qui est donné à très peu de monde, mais c'est aussi un très beau témoignage qui est encourageant dans notre foi. Hein. Tout cela, mis bout à bout, nous montre une chose, c'est qu'il y a bien un enfer, un paradis, un Dieu et le diable. On a aussi tous ceux qui vénèrent Satan. Donc, on ne peut plus douter à l'heure d'aujourd'hui sur l'existence de Dieu, sur l'existence de l'enfer, parce qu'on a trop de témoignages, on a également tout ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, et on a bien sûr tous ces gens qui racontent voilà, l'avoir vécu, l'avoir vu de leurs propres yeux. Donc, faisons attention, chers frères et sœurs. Et moi, je pense aussi qu'au moment de la mort, il y a donc cette ouverture des yeux spirituels qui fait que les gens peuvent apparaître à des vivants, comme ça a pu être le cas notamment avec mes deux enfants qui ont pu voir mon grand-père décédé. Mais ça peut également aussi ouvrir les yeux. Il y a des personnes qui ont blasphémé. Hein. Il y a par exemple un monsieur qui avait blasphémé le Saint-Esprit toute sa vie, qui a vécu donc les 9 dernières années cloué dans un lit, dans une souffrance incroyable, et qui au moment de mourir était terrifié. Donc il avait un visage terrifié de ce qu'il voyait, et je pense que c'était sa récompense par rapport à tous les blasphèmes et toutes les moqueries qu'il a pu engendrer durant sa vie, parce qu'il a aussi corrompu, il faut le dire, beaucoup de monde. Il avait été un ustensile puissant du diable pour tout simplement discréditer la Trinité, discréditer Seigneur Jésus, emmener les gens dans des faux chemins, des fausses religions. C'était quand même assez incroyable. Et quand j'ai vu cette vidéo au moment de sa mort, j'ai vraiment vu qu'il y avait quelque chose et que le Seigneur lui a montré l'enfer et lui a montré les démons qui venaient le chercher. Donc voilà moi ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, encore ce témoignage puissant. Il y en a vraiment incroyablement sur Internet, hein, on peut vraiment voir que ça. Donc je vous encourage, chers frères et sœurs, à mettre votre vie en règle. Le Seigneur Jésus nous a demandé deux choses pour être sauvés. Il n'y a pas besoin de chercher beaucoup de choses. Hein.
simplement mettre notre vie en règle, c'est-à-dire abandonner le péché, lui demander son aide, et bien sûr nous faire baptiser, accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, c'est-à-dire porter notre foi en lui. C'est tout ce qu'il faut faire pour être sauvé. La Bible nous le dit de façon très claire, donc on n'a pas besoin d'aller au catéchisme, on n'a pas besoin de baptiser nos bébés, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. La Bible nous dit de nous baptiser dans un état de bonne conscience, c'est-à-dire en ayant produit déjà des fruits dignes de la repentance, et bien sûr de placer notre foi en Jésus-Christ. C'est un engagement volontaire avec le Seigneur. À partir de là, vous êtes purifiés de vos péchés par le sang précieux de Christ et vous avez l'assurance de la vie éternelle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire également que aucune religion ne peut vous assurer le salut, mis à part la foi en Jésus-Christ. Voilà, chers frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager un maximum. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.